Emma Grousset, qui devrait porter les couleurs de la Nouvelle-Calédonie lors de l'élection de Miss France 2024, est la sœur de Maxime Grousset, champion de France et du monde 2023 de natation. CIST, ce qu'on appelle une grosse bourde. Samedi 9 septembre dernier à Nouméa avait lieu l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2023, reine de beauté qui participera à l'élection de Miss France 2024 à Dijon et en direct sur TF1 le samedi 16 décembre. Problème, une incroyable erreur de comptage de l'huissière en charge des votes a sacré la mauvaise candidate. Trois jours après son couronnement, Mathilda Lelon a ainsi dû rendre son titre. Si est finalement Emma Grousset qui tentera de succéder à Indira Antio à l'hiver prochain. Miss France 2024, qui est Emma Grousset, Miss Nouvelle-Calédonie 2023, élue après une erreur rarissime? L'erreur étant réparée, la jeune femme va donc pouvoir savourer son titre avant que les choses sérieuses ne commencent, le traditionnel voyage des Miss, qui aura lieu en Guyane cette année, le redoutable test de culture générale, les répétitions. Et enfin la fameuse cérémonie orchestrée par Jean-Pierre Foucault. Âgée de 21 ans, Emma Grousset n'a toutefois pas encore officiellement pris la parole. Et la raison est toute simple. Dans un communiqué daté du mercredi 13 septembre, le comité Miss France annonce donner un droit de réserve quant à la confirmation de cette élection. Dans l'atteinte du procès-verbal officiel établi par le commissaire de justice, présent ce soir-là, l'organisation préfère se montrer prudente tout en regrettant ce dysfonctionnement. Emma Grousset, Miss Nouvelle-Calédonie 2023, est la sœur d'un célèbre champion de France et du monde de natation. En attendant l'annonce définitive, les internautes les plus attentifs ont foncé découvrir les clichés de la jeune femme sur Instagram. Et surprise, on y découvre Emma Grousset posée aux côtés de son frère, Maxime Grousset, qui n'est autre que le champion du monde 2023 de natation, sur 100 mètres papillon. Également spécialiste du 50 mètres et 100 mètres nage libre, le sportif de 24 ans avait également décroché l'or à Melbourne en 2022, sur le 4 x 50 mètres nage libre mix en petit bassin. Il est aussi triple champion de France 2023, 50 mètres papillon, 100 mètres nage libre, 100 mètres papillon. Nul doute qu'il saura aider sa sœur Emma pour gérer son stress durant la compétition.